Critiquée sur son physique dans The Last of Us, Melanie Lynskey, l'interprète de Kathleen, ne cesse pas de laisser faire. Elle a répondu cash à une internaute, dont la remarque désobligeante l'a interpellée. De nouvelles aventures commencent. Dans le quatrième épisode de The Last of Us, sorti ce lundi 6 février, les personnages incarnés par Pedro Pascal et la formidable Bella Ramsey sont confrontés à de nouveaux obstacles, notamment une faction de rebelles en guerre contre la FEDRA, l'Agence fédérale de gestion des catastrophes. Si nos deux héros font la rencontre de frères, Sam et Henry, ce dernier étant incarné par Lamar Johnson, ils ont la chance d'échapper, pour le moment, aux griffes de la terrible Kathleen, la chef du groupe de rebelles. Celle-ci est incarnée par l'actrice néo-zélandaise Melanie Lynskey, qui se fait connaître en 2022, dans la série Yellow Jackets. Lors d'une interview pour Variety, la comédienne de 45 ans cesse de confier sur son personnage, elle découvre qu'elle n'a pas beaucoup d'humanité en elle. Elle est capable de faire des choses assez brutales sans vraiment sourciller. Explique-t-elle. Si l'actrice est particulièrement terrifiante dans ce rôle, elle a suscité sur le net une vague de critiques par rapport à son physique. Je suis censée être intelligente, madame. À nouveau, les personnages de The Last of Us se font attaquer sur leur physique. Après la talentueuse Bella Ramsey, c'est au tour de Melanie Lynskey de ne prendre plein la figure. En effet, son personnage est largement critiqué par les internautes sur les réseaux sociaux, notamment par la mannequin Adrienne Curie, gagnante de la première saison de l'émission America's Next Top Model. Cette dernière a tweeté sous une photo de l'actrice, sa corpulence exprime une certaine vie de luxe. Pas une chef de guerre post-apocalyptique. Où est Linda Hamilton, l'actrice de Terminator, note de la rédaction, quand vous avez besoin d'elle. Rapidement, Melanie Lynskey a rétorqué avec une capture d'écran de son message, tout d'abord, il s'agit d'une photo de ma séance photo pour le magazine InStyle, pas d'une photo de The Last of Us de HBO. Et je joue une personne qui a méticuleusement planifié et exécuté un renversement de la FEDRA. Je suis censée être intelligente, madame. Je n'ai pas besoin d'être musclée. C'est à ça que servent les hommes demain. Répond celle qui est fière que le casting de la série bouscule les attentes des spectateurs. Et elle a bien raison.